Chers amis, bonjour à tous. La petite vidéo de conseil de lecture du mois de mai 2023. Mais avant toute chose, des petites annonces à vous donner. Demain, nous aurons la joie de recevoir Alain Pascal en dédicace. Donc, nous vous attendons nombreux, notamment pour le tome 2 du livre que nous éditons, L'intelligence du christianisme, de la révélation à l'apostasie, qui suit le tome 1, qui s'intitulait, bon, évidemment, L'intelligence du christianisme. Mais qui était l'humanité en quête de Dieu. Vous pouvez lire le tome 2 sans lire le tome 1, même si évidemment c'est toujours conseillé de commencer par le début. Mais le tome 2 est vraiment excellent, donc je vous le conseille vivement. Il commence par une première partie qui va montrer l'intelligence du christianisme et surtout la véracité du christianisme historique, philosophique, spirituel, métaphysique. Alain Pascal prend le temps de répondre à quasiment toutes les attaques hérétiques qui a pu subir le christianisme. Et dans la deuxième partie, qui est une partie importante, qui s'intitule L'humanité en perte de Dieu, eh bien vous avez la manière dont l'humanité a perdu, entre guillemets, Dieu, et les conséquences réelles de cette perte. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur ces livres et à les lire. J'en profite également pour vous dire que demain, Alain Pascal dédicacera également son tout dernier livre aux éditions des Cimes, La Révolution des Illuminés, avec le sous-titre très parlant, Les droits de l'homme contre Dieu, où Alain Pascal va dans ce livre, également un pavé de 500 pages, comme quasiment tous les livres d'Alain Pascal, s'attacher au rôle de la franc-maçonnerie, des réseaux, de la philosophie, le changement de religion, le changement métaphysique provoqué par la Révolution française. Donc je vous invite à vous y intéresser et je vous donne rendez-vous surtout demain, à partir de 14h30. À la librairie Les Deux Cités. Également, nous voulions vous remercier pour les dons que vous nous avez offerts lors de notre campagne de dons. J'insiste pour vous dire que la campagne de dons continue, elle n'est pas encore arrêtée. Et comme vous le voyez, notre site internet n'est toujours pas revenu. Il est en passe, il est en cours de création, donc il va bientôt revenir. Donc en attendant, tous les livres que je vais vous présenter sont disponibles dans la librairie. Vous pouvez également les commander en nous envoyant un chèque avec votre commande sur papier libre, et nous vous les enverrons par voie postale. Une fois que le site internet sera revenu, eh bien, nous mettrons les liens sous la vidéo, les liens correspondants au livre que je vais vous présenter. Donc l'adresse de la librairie sera également notée sous la vidéo. Donc le premier livre que je voulais vous présenter, c'est le livre de notre ami et regretté Jacques Carbou, dont j'ai eu l'honneur d'être l'éditeur pendant ces 3 dernières années, qui sort ce livre. Alors je ne sais pas si c'est un livre posthume, puisque le livre sort le jour du décès de Jacques. Donc le livre s'intitule MZ. Je vous laisserai découvrir pourquoi MZ. 5 ans dans le Venezuela de Chavez. Donc vous serez intéressé par ce livre par deux aspects. Le premier aspect, c'est un aspect très agréable qui est un livre d'aventure. Finalement, un peu dans la lignée des Sylvain Tesson, où vous suivez Jacques dans ses pérégrinations au Venezuela, la rencontre, notamment la rencontre de celle qui deviendra sa femme, la rencontre de différents personnages dans le monde du travail, de l'université, les gens qu'il va rencontrer, etc. Et donc vous êtes au cœur vraiment de la vie du Venezuela, à travers l'œil de Jacques. Donc c'est très bien écrit, c'est parfois très drôle. Et pour ceux qui connaissaient Jacques, vous reconnaîtrez son style et son humour très particulier. Et puis la deuxième phase qui vous intéressera, j'en suis sûr, c'est la partie plus politique, d'où le sous-titre 5 ans dans le Venezuela de Chavez, où Jacques Carbou va nous montrer la réalité de ce qu'était Chavez et de ce qu'était le chavisme. Moi j'avoue, et je fais mon mea culpa publiquement, que j'étais tombé à l'époque dans un. J'ai cru que Hugo Chavez était un résistant à l'Empire américain, qu'il était une espèce de voix d'homme libre contre le capitalisme, etc. Qu'il était chrétien, même parfois christique, hein, d'après ses discours, et en même temps social, qui redistribuait à son peuple, etc. Donc tout ça, eh bien, tout ça est faux. Tout ça était faux. Et même, on peut reprocher aujourd'hui à une certaine dissidence de nous avoir fait croire à toutes ces balivernes d'Hugo Chavez. Oui, les discours étaient beaux, mais la réalité, elle était beaucoup moins. Donc vous avez ça dans le livre de Jacques. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec Jacques à l'époque sur ce thème.
Et évidemment, ces arguments étaient extrêmement convaincants. Je vous donne un seul exemple, vous découvrirez le reste dans le livre. Hugo Chavez, quand il tombe malade, vous savez qu'il est mort d'un cancer, quand il tombe malade, il ne va pas tout de suite prier dans une église. Il se rapproche des croyances païennes de son pays, de son peuple, et notamment avec les forces de la forêt. Donc quand on met ça, c'est-à-dire un fait réel, avec les discours où il nous parlait du Christ, d'ailleurs du Christ révolutionnaire, ce qui est un non-sens quand on connaît un peu la théologie et la métaphysique. Mais bref, voilà, moi j'étais tombé dans ce panneau-là à l'époque, donc ça remonte quand même il y a 10-15 ans, et au moins, ce livre-là remet les choses à leur place, et j'invite peut-être même des gens comme Michel Collomb, s'il nous regarde ou si quelqu'un peut transmettre cette vidéo, à se renseigner sur ce livre, à le lire, et à nous faire un retour, s'il le souhaite, sur ce que Jacques Carbon a montré de Hugo Chavez. Voilà un très beau livre, le dernier livre de notre ami Jacques. Je vous rappelle évidemment que les autres livres de Jacques sont toujours disponibles. La critique sociale de Raymond Ruyère, son livre le plus important en termes de taille, mais qui est un livre aussi important, je dirais, à lire aujourd'hui déjà pour découvrir la pensée de ce grand penseur qui était Raymond Ruyère. Mais aussi, ça vous permettra de comprendre un peu le monde dans lequel on est. Si vous voulez, c'est comme ça que j'avais pensé le présenter à l'époque. J'avais dit que c'était un Mathieu Bock-Côté à 50 ans en avance. Et par exemple, il y a un concept que j'adore qui est celui de nutrition psychique. Raymond Ruyère nous dit qu'il y a la nutrition alimentaire, matérielle, la nourriture qu'on va manger. Il y a la nutrition spirituelle qui est la religion, mais il va plus loin aussi, il parle de la philosophie, il a vraiment le terme spirituel dans un sens beaucoup plus large. Et il y a une nourriture psychique qui est entre les deux. Et c'est par exemple quand vous venez à la librairie, le fait de pouvoir discuter ensemble, le fait de partager un repas, partager une conversation sur un livre, partager une promenade en forêt, ceux qui font de la randonnée, etc. Et si vous regardez bien ce qui s'est passé pendant ces 3 ou 4 dernières années, eh bien, c'est cette nutrition psychique qui nous manque, et c'est ce qui crée aujourd'hui énormément de névroses. Je vous conseille là les travaux de Marie-Estelle Dupont, énormément de névroses et de psychoses dans un monde qui a privé, notamment la jeunesse, de toute cette nutrition psychique. Et ça, c'est le concept, un des concepts phares de Raymond Ruyère. Également, nous parlons beaucoup aujourd'hui, et c'est tout à fait normal, de l'avènement de l'intelligence artificielle. Et là, je vous renvoie évidemment au livre de Jacques. La mécanisation de l'esprit, cybernétique, intelligence artificielle, transhumanisme, livre unique dans lequel Jacques retraçait le lien logique entre ces trois concepts. Et ce qui vous permettra d'avoir une approche assez simple, puisque c'est un livre assez court, mais assez dense, avec une belle préface de Guillaume Travers. Et je vous conseille de jumeler cette lecture avec le livre de Marc Aubregon qui s'intitule L'Orbe, où là vous êtes dans une vision, je dirais, littéraire et poétique de tous les problèmes liés à l'intelligence artificielle et à son avènement. Vous pouvez aussi lire des romans pour comprendre le monde. Ensuite, une nouveauté qui sort aujourd'hui, vendredi 5 mai, je n'ai pas peur de le dire. Nous venons d'éditer un petit chef-d'œuvre, Le mythe de Perséphone, de Peggy Larrieux, avec un sous-titre parlant, La femme, la mort, et une préface de Michel Maffesoli. Je souhaite à tous les éditeurs de pouvoir éditer, de pouvoir recevoir un jour ce type de texte. Alors, quand on est éditeur, on reçoit des dizaines d'ouvrages par mois, plusieurs ouvrages, enfin, plusieurs manuscrits ou tapuscrits par semaine. En général, vous avez 5 minutes, vous regardez un peu déjà l'état dans lequel on vous envoie le tapuscrit, vous regardez le titre, le sous-titre, moi c'est ce que je fais hein, pour ceux qui m'envoient des livres, je regarde la table des matières, je me fais déjà une idée, et si ça m'intéresse, je vais lire la première page, et puis on voit ce qui se passe ensuite. Là, j'ai reçu Le mythe de Perséphone, ça m'a déjà intrigué, La femme, la mort, encore davantage, et quand j'ai regardé la table des matières, je vois la guerre des sexes, je vois le patriarcat, le chaos, je vois des références à Bachofen, je vois des références au matriarcat, je vois
ensuite, en parcourant un peu, que c'est extrêmement bien sourcé, des sources à la fois que des sources universitaires, mais des sources qui vont de Françoise Léritier à René Girard, en passant évidemment par Michel Maffesoli, Jean-Pierre Vernant, etc. Et donc je me dis, je vais lire la première page, et je ne me suis jamais arrêté jusqu'à la fin. Donc je suis vraiment très fier d'éditer ce livre, Le mythe de Perséphone, la femme, la mort, qui part d'une idée très simple, c'est que la femme donnant la vie, elle donne automatiquement la mort, et que toutes les questions autour de la femme à travers les âges viennent sans doute de cette idée-là. Et vous avez dans ce livre une sorte d'antidote contre le wokisme et le féminisme moderne à travers une histoire de la femme à travers les âges, donc que ce soit en anthropologie, en sociologie, en mythologie, en religion. Voilà, c'est un livre extrêmement riche, extrêmement bien écrit, et qui met en son cœur le besoin d'altérité. Je ne vous en dis pas plus, j'en ai déjà beaucoup dit, mais c'est vraiment, pour moi, un petit chef-d'œuvre de Peggy Larrieux. Nous avons fait un effort sur le prix pour vous permettre de découvrir cet auteur, qui est, je ne l'ai pas dit, qui est maître de conférence et qui est universitaire dans l'université de Aix-Marseille, et qui nous fait donc l'honneur de publier son livre chez nous, Le mythe de Perséphone. Vraiment, lisez-le. Vous avez, loin des caricatures, un livre extrêmement profond et extrêmement puissant. Ensuite, comme certains le savent sans doute, je suis en train d'écrire en ce moment même un livre sur René Girard, livre, je le précise, qui est en prévente sur le site de la maison d'édition. C'est important qu'il y ait des préventes parce que moi, ça me permet d'avoir du temps pour écrire. C'est un livre que j'espère sortir à la rentrée, au mois de septembre ou au mois d'octobre. En tout cas, il faut qu'il soit prêt, et il le sera, puisque j'avance, disons, correctement, pour le centenaire de la naissance de René Girard, puisqu'il est né, il sera né il y a 100 ans, en fin d'année, le 25 décembre 1923. Il y a des clins d'œil du destin, sachant que son père s'appelait Joseph Girard, donc c'est le destin a parfois des clins d'œil amusants. Et en travaillant sur ce livre, donc j'ai lu des livres de René Girard que je n'avais pas lus. Plusieurs que je n'avais pas lus en réalité, je me suis rendu compte que de mes manques à certains points de vue. Et j'ai lu aussi des livres d'autres auteurs sur René Girard. Alors, il y a différents niveaux évidemment dans tous ces livres. Mais je voulais vous en conseiller un, qui est un livre à mon avis important, qui est le livre de Raymond Schwager, Avons-nous besoin d'un bouc émissaire, pardon, aux éditions Flammarion, qui est un livre vraiment excellent et qui peut faire office d'introduction à René Girard, mais surtout Raymond Schwager, c'est un abbé jésuite allemand, et c'est lui qui a remis René Girard dans le droit chemin, si je puis dire, puisque c'est lui qui a fait comprendre à René Girard qu'il y avait une vision sacrificielle dans le christianisme, bien évidemment, chose qu'il n'avait pas mise en avant, notamment dans son livre Des choses cachées depuis la fondation du monde. La pensée de Girard est évolutive. C'est ce que je montrerai dans mon livre. Je m'appuierai également assez souvent sur ce livre-là. Donc en attendant la sortie de mon livre, je vous conseille vraiment, pour ceux qui s'intéressent à René Girard et à cette question du bouc émissaire qui est de plus en plus d'actualité, à lire le livre de Raymond Schwager, donc chez Flammarion. Je n'ai pas dit les prix des autres livres, mais vous les verrez de toute manière sous la vidéo. Donc celui-ci fait 24 euros. Ensuite, je termine souvent par un magazine. Nous venons de recevoir Diplomatie Magazine Géopolitique sur la Chine. Je n'ai pas encore terminé, mais c'est toujours de toute manière excellent avec Diplomatie Magazine. Vous avez politique, géopolitique, économie, les problèmes de natalité, la vision géopolitique de la Chine, etc., les rapports avec l'Inde, avec le monde entier. Voilà, donc c'est toujours extrêmement riche et c'est à lire. Je vous conseille de passer à la librairie, parce que nous n'en avons jamais beaucoup et ils partent assez vite. Voilà, chers amis, je vous rappelle encore une fois que le site internet n'est pas encore de retour, donc vous pouvez commander ces livres par chèque à la librairie. Donc c'est le 6 Grande Rue, mais je vais mettre l'adresse sous la vidéo. Et une fois que le site sera de retour, vous aurez les liens qui arriveront directement sur les livres en question. Je vous donne rendez-vous demain pour la venue d'Alain Pascal à la librairie. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture.